Mon nom de scène, c'est Grand Ben. Hein. Je fais de la chanson pour enfants, des ateliers de création de chansons. Et donc, c'est vrai que c'est maintenant mon troisième spectacle que j'ai joué d'ailleurs ici au Centre culturel de Lessines qui s'appelle Far Far West. Et donc, ici, cette semaine, je donne un stage pour les enfants sur les plantes médicinales. Oh, ben, ça, c'est vraiment mon monde. Hein. J'adore transmettre un peu ce côté, cette musique. Que j'adore et pour eux c'est un éveil en fait. Hein. Donc effectivement pour les petits comme ici le matin, quand ils ont 3-4 ans, c'est pas les notes, c'est pas le solfège, c'est vraiment les sensations que la musique procure. C'est plus au niveau vibration, au niveau ludique, par des jeux, surtout par des jeux rythmiques. Bon, ici avec ma guitare, j'accompagne une mélodie et eux, bon, ici dans ce stage-ci par exemple, ils vont créer une chanson. Donc par rapport, le thème c'est on est des bonimenteurs qui vantent entre guillemets les beaux produits naturels. Tout à fait, ah non mais c'est magnifique parce que ça faisait des mois. J'avais plus de contact au niveau public, au niveau stage, donc de contact avec les enfants. Et ici, ça me fait un bien fou, parce qu'effectivement, c'est ça la nourriture, c'est de transmettre, c'est de partager avec eux. Et puis, c'est un métier que j'adore. C'est marrant parce qu'à ce moment-là, oui, je sais que quand je faisais mes devoirs, j'arrêtais et puis je chantais. Je dessinais, mais donc évidemment, c'est ça aussi, c'est un message que je voudrais passer, c'est que quand un enfant a des capacités comme ça artistiques, c'est chouette de le laisser s'épanouir dans ce domaine, parce que moi, finalement, à l'époque, mes parents trouvaient ça tout à fait accessoire, et ils m'ont orienté vers un métier, en fait, j'étais kiné pendant 15 ans, parce que voilà, ça c'était un vrai métier, entre guillemets. Mais voilà, en fait, après, j'ai retrouvé mon âme d'enfant et je suis redevenu musicien. Ma famille vient de Zacre, donc je connais quand même bien Lessines. J'ai joué au foot contre Lessines, contre l'Union et contre le peuple.